termes de qualité de présentation, on est nettement supérieur à l'an dernier. C'est ce que les juges qui ont l'habitude de faire les concours nationaux ont vu. Et hormis quelques animaux un petit peu insuffisants, la majorité d'entre eux étaient largement supérieurs à l'année dernière. On s'attendait à un gros four, si on peut dire, puisqu'on pensait que les gens ne pourraient pas venir. Et malgré les blocages qu'on entend à gauche, à droite, on voit qu'aujourd'hui les gens sont venus en masse et tiennent aujourd'hui à venir à Torigny, il n'y a pas de problème. Je vais vous donner aujourd'hui là une anecdote, mais qui n'est pas ordinaire. Hier soir, j'ai un boucher de Dieppe qui me téléphone en me disant avoir envoyé son entrecôte pour participer au concours par Chronopost. Et il a appris en fin d'après-midi que l'entrecôte n'arriverait que lundi matin. Eh bien, vous me croirez si vous voulez, ce boucher-là, il est parti de Dieppe hier soir à 19h. Les entrecôtes étaient ici à 22h30, je crois, ou un truc comme 22h. Et il est remonté avec. C'est pour vous dire, aujourd'hui, à 200-250 km de chez nous, des bouchers veulent absolument participer à l'entrecôte d'or. On a, via les abattoirs régionaux ici, je pense entre 5 et 10 animaux qui finiront sur les étals de la Réunion, de la Martinique et de la Guadeloupe. Et ça, c'est maintenant tous les ans. Rendez-vous l'année prochaine, oui. On souffle un petit peu pour respirer et on remet ça. À bientôt sur tevie.tv.